C'est l'histoire d'une métamorphose. L'histoire d'une décision. C'est l'histoire d'un sacrifice. Cette histoire est la mienne. Je m'appelle Samuel, et dans le langage des hommes, je suis un ange. Depuis l'oubli du temps, je regarde les hommes se redresser, marcher et chuter dans les ténèbres de leur vie. Je ne rêve pas. Je suis sans sommeil, jour et nuit. Mon destin est de suivre la grande horloge qui décompte leurs pas à chaque instant. Ne jamais pouvoir les aider. Ne jamais pouvoir leur parler, eux et moi, irrémédiablement séparés. Voir les hommes tourner autour du monde et les savoir déjà morts. Maman, ça va? Il commence à faire froid, tu rentres? Je t'entends pas. Il commence à faire froid. Tu rentres, mon cœur? Mon ami, l'homme accepte la mort, mais non l'heure de sa mort. Comprendras-tu dans ces instants que la mort est un état de perfection, le seul à la portée d'un mortel? J'aimerais t'embrasser du baiser fraternel de ceux qui ont quitté la vie. Étage.
les hommes sont comme des fantômes. Ils errent en quête d'un sens qu'ils ne trouveront jamais sur cette terre. Vanité des vanités, derrière leurs prétentions, avoir fait le constat depuis que je les regarde, qu'ils ne rencontreront que le néant de leur avidité. Invisibles dans les ténèbres de leur monde, je les observe s'agiter, croire en leur éternité, pour finalement les accompagner dans leurs cris et leurs chuchotements au cœur de l'obscurité qui recouvre leurs paupières. Je m'ennuie. Tu peux jouer avec moi? J'ai pas le temps, mon cœur. Je suis désolée. Mais je sais pas quoi faire. Je peux lire avec toi? Attendre sans répit chaque moment où je te croiserai, me tenir immobile comme asphyxié, à chacun des regards invisibles que je porte vers toi. Combien ta vie me semble courte à la voir pâlir ainsi face à moi. Combien tout cela me semble fragile et éphémère. J'aimerais tellement te rejoindre. Maman, t'es triste? Là, les voir toutes les deux, extrêmes des extrêmes, elle à peine encore en vie, et sa fille dans l'horizon d'un temps encore indéfini. Ressentir en moi comme la douleur de cette opposition. Ressentir par la tristesse des mots.
sentir dans le secret de mon inconsistance le bruissement d'affects qui me sont inconnus. Maintenant, tout peut débuter. Il nous reste la vie, à elle et moi, pour nous rencontrer.